les garde ici, évidemment. Ils nous veulent pas que du bien. Je pense qu'on pourrait même... j'ai pas fait attention, mais je pense qu'on pourrait même s'amuser à... S'amuser. À prendre une calèche et à partir en calèche. Je pense que ça peut être sympathique de le faire. Mais je suppose parce que je pouvais prendre une calèche, donc... Pour moi, ça me paraît logique. Maintenant, je dis peut-être des conneries. Évidemment, je découvre le jeu comme vous. Et on va commencer donc la séquence 3. J'espère que vous aimez toujours cette aventure, que vous aimez la découvrir avec moi. Je prends mon pied, moi, parce que les Assassin's Creed, ça me plaît vraiment. Et c'est parti. On va aller rejoindre nos assassins préférés, Jacob et Fry, pour sauver des orphelins peut-être. Voilà. Lève-la. Où est-ce qu'on a mis les pieds ? Ravi de vous rencontrer enfin. À la fameuse Clara Odea. Ici, nous faisons en sorte de connaître les rues et de permettre aux enfants de prendre en main leur propre destin. Clara, Monsieur Green a dit que nous pourrions nous entraider. En échange de nos services, nous vous demandons une petite faveur. Oh, pourquoi pas? Vous m'avez pris presque tout mon argent. Alors, au point où nous en sommes... Un certain nombre d'usines ont recours presque exclusivement aux enfants pour leur main-d'œuvre. Ils font de longues journées, sans être payés, et la plupart n'ont même pas le droit de sortir de l'usine. Ils souffrent énormément. Esclavage. Vous devez les sauver. Ok, donc c'est encore des quêtes annexes, a priori. Ok. À gagner pour un gagné. Vous acceptez le marché ? On accepte. Bah, on n'a pas le choix d'accepter. Hein. On n'a pas le choix. Ok. Rejoindre l'entrepôt. On va aller rejoindre donc notre entrepôt comme on nous le demande. J'espère que je puis passer par ici. Oui. Nickel. Bon. On va descendre tranquillement. On va pas se mettre la pression. Pas encore. Bon, il n'y a pas d'ennemis au moins. Putain, si c'est full ennemi en fait. Wow, super discret les mecs, bien joué. Je vais essayer de saboter l'arme. La cloche. Bon. J'espère que je vais m'en sortir, franchement. C'est chaud, hein. Ouais, et de deux, on va contrer son attaque. Je m'en sors relativement bien. Et tac. Ouf. Il y a encore un gars là. Il est où lui? T'es où toi? Bon, on va déposer le corps quand même, ce serait une bonne chose, hein. Non, je pense que c'est bon, en fait. Voilà, bon, on va saboter la... La cloche, normalement, je vous le dis, la cloche, elle se sabote en premier. Pour éviter que les gars appellent de l'aide, en fait, simplement. Je l'ai pas fait dans l'ordre du tout. Bon, vous commencez à me connaître si vous me suivez. Je suis un gros bourrin et la discrétion, c'est un petit peu ma bête noire, on va dire ça comme ça. Donc, le problème, c'est que, voilà, j'ai un peu du mal avec ça. C'est pas grave, ça marche quand même, on va dire ça comme ça. Alors, on a un coffre ici, à mon avis qui est à l'étage, évidemment, si c'était trop facile. Bon, on va libérer déjà ce groupe d'enfants-là. Ne pas déclencher l'alerte. Pour le moment, c'est COP. Ok, donc on va avoir trois groupes d'enfants, des enfants par trois. Ok, là c'est bon aussi. Je pensais que j'allais encore avoir de la garde, mais rien de tout ça, évidemment. Et heureusement pour moi, de
la soie, du cuir et de l'or. Et là, je comprends pas pourquoi j'ai un ennemi qui est au sol. On va pas s'en plaindre. Voilà, on va libérer ces enfants là aussi du joug des adultes. Et on va tenter de monter. Voilà, il y a un escalier, donc c'est nickel, heureusement pour moi. Je me méfie encore parce que j'ai comme l'impression qu'il y aura encore des ennemis ici dans le coin. Ça me semble trop facile en fait. J'ai eu du mal à pénétrer, on va dire, dans la zone. Mais comme par hasard, à l'étage, il n'y a plus personne. Tout le monde était en bas. C'est ce qui me chagrine en soi. Bon, je vais pas foutre le feu. Hein. On va éviter ce genre de comportement puéril, hein, les amis. On va donc les libérer juste après ça. Je vais monter à l'étage, je vais aller prendre le coffre pour éviter de perdre trop de temps. Et de devoir revenir, évidemment. Hop, voilà. Produits chimiques, cuir, or. Et des livres, de l'or. Bon, on va maintenant libérer le dernier groupe d'enfants. C'est parti. Et 9 sur 9. Et à mon avis, je vais devoir m'enfuir comme la coutume le veut. Ok. Est-ce que ce serait des plusieurs missions dans une séquence? Pour le moment, je comprends pas du tout comment passer à la séquence suivante, en fait. Ok. Ou alors, il faut que je fasse toutes les quêtes pour libérer Whitechapel, pour pouvoir faire la séquence suivante qui sera une autre zone, en fait, tout simplement. Je ne sais pas du tout. A priori, ça doit être ça. Je comprends pas plus que ça, mais on verra. Écoutez, on va pas se prendre la tête plus que ça. On va progresser dans le jeu et le découvrir ensemble. J'espère en tout cas que vous faites plaisir. Tiens, tiens. Tiens, toi. Encore une reprise d'Assassin's Creed Unity là-dessus. Les voleurs. Bon, tant pis. Fallait bien qu'on y ait droit quand même à une petite reprise de cette Unity. L'idée n'était pas mauvaise à la base. Bon, je suis pas très convaincu évidemment qu'il aurait fallu le reprendre. Bon. Éliminer tous les Blickters pour conquérir le repère et étendre le territoire des Rooks. La domination des Rooks ira croissant. Merde. Grillé. Super. Dans ta tête. On a un méchant, attendez. Yep, voilà. Ça c'est fait. Il est encore en vie? Non. Bon, je dois tuer mon gaillard là. Comment il s'appelle lui? Le guetteur. Bon, bah tant pis, de toute façon les renforts seront là, hein, j'ai pas le choix. Ces bandes seront peut-être utiles après tout. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, on va la jouer hors hors contexte, on va la faire complètement bourrin. Allez, coup de flingue, tiens. Semblerait, oh, naze. Semblerait qu'au niveau des combats, ce soit quand même un brin plus chaud, franchement. Bon, on va quand même y arriver, hein, vous savez. Heureusement que je commence à savoir me battre parce que là. Oh, leve-la mon copain. Au revoir. Je devais te tuer, c'est fait. On va le fouiller.
On va fouiller une paire de corps parce que là il y en a eu quand même. Ah ouais, non, il n'y a pas moyen de se soigner pour le moment, évidemment. Si t'étais trop beau. C'est pas grave, on va découvrir ça après. La recharge de flingue, c'est déjà une bonne chose. Il reste plus que lui à tuer. Mon copain ou ma copine, c'est au choix. Ah ben voilà, ça c'est fait. J'ai tué assez rapidement. Voilà, éliminé, c'est fait. Donc j'en avais 10 à éliminer. Voilà, donc la repère de bande est terminée aussi. Donc j'ai libéré et protégé les Tinkers capturés. J'ai rien fait du tout, je les ai tous tués a priori. J'ai raté le truc. Bon, ils sont tous faits assassiner. J'ai pas été assez discret, c'est pas grave, tant pis. Bon, on a déjà vu ce que ça donnait. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Guerre de bande disponible. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon. Alors, la guerre de bande. Eh ben, de toute façon, on n'a pas le choix. On va y aller, les amis. Ah, tiens, vous pouvez recruter des gens. Je vois que vous et le votre frère aimez attirer l'attention. À votre place, je serai prudent. À mon avis, veut la bagarre. Bon. Je vous aurais prévenu. Qu'est-ce qui se passe? Ok, bagarre. Faut le temps de contrer. Bon, c'est un peu le bordel. Mais c'est pas grave, on les a ouverts en 42. Bim, bim. Allez, hop. R1. D'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois affronter Rexford Keylock. Keylock. Bon, on va les fouiller quand même avant de se jeter dans la gueule du loup. Hein. On va quand même être gentil et correct. On va pas arriver avec sa bite et son couteau, comme on dit chez nous. C'est parti. On va lancer donc la guerre des bandes. Affronter la bande de Rexford Keylock et empérez-vous de Whitechapel. Ça, je peux faire. S'il y a une chose que je sais faire, c'est me battre. Dans les jeux, hein, bien sûr. Allons-y. Je suis impatient de prendre ce premier quartier à mon compte. Ah, je vais dans le social, voilà. En fait. Pour prendre le contrôle de Whitechapel, il faut éliminer le chef du quartier. Kellogg a exigé que vous régliez votre différend par un combat entre bandes. Tant pis pour lui. Tenez. Je suis certain que ça vous sera plus utile qu'à moi. Oh, eh bien, Grigny. C'est le Noël des assassins. Appelez vos alliés. Allez, c'est parti. C'est la guerre. En gros, là, c'est le 40-45 de Syndicate, quoi. Chaque fois qu'on fait des combats de bande, vous avez vu tout à l'heure combien ils étaient à côté de moi. Un sacré paquet quand même. Et je pense qu'évidemment, ça va être la même chose pour eux. Donc, AFK 2 secondes.
Et voilà, on est de retour. J'espère que vous allez toujours bien. Donc, le didacticiel. Meilleur équipement. Donc, accroître votre niveau permet de vous équiper de meilleurs accessoires, armes et tenues. Appuyez sur Options pour accéder au menu inventaire afin d'acheter et de vous équiper de meilleurs équipements. L'équipement peut être amélioré afin d'améliorer ses stats et d'atteindre son efficacité maximale. Donc c'est ce que j'ai fait en fait tantôt sans le savoir. Voilà, c'est bien ça. C'est juste que en fait, par rapport à la progression du jeu, on va pouvoir avoir de nouveaux objets qui feront plus d'attaques. Enfin, là, il y a trois caractéristiques. L'attaque, l'étourdissement et la létalité. Évidemment, par rapport à ce que on prend, si c'est tranchant ou pas. Comme là, bah voilà, évidemment, le coup cri, la létalité, bah. Mais on perd en étourdissement, tandis que la canne épée, évidemment, on peut étourdir nos adversaires. Monsieur Allons-y. Rex Ankelok a accepté vos conditions et vous attend à la gare de Whitechapel. Il a parié son train sur Ah son ouais, nom. carrément. Il a parié son train, lui, carrément. Bon, ça veut à peu près vous dire l'enjeu qui se joue là. Et la mise, un train, quoi, carrément. Où es-tu, Allons-y. Kellogg? Ceci te fera peut-être sortir de ton trou. C'est parti, les amis. Bon. On va rester en retrait et on va simplement. Oh my god. Non, j'avais dit que j'allais rester en retrait, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Ah, le voilà mon Keylock. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Tu es. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais essayer de rejoindre le train, c'est chose faite maintenant. J'espère être assez bon au niveau du combat. Bon, allez hop. Voilà. On va contrer son coup à lui. Bon. Ah, par contre, il met des belles claques à le gaillard. On va recharger notre arme. Tranquillement. Voilà. Et on va le tuer. Il n'y a plus que ça à faire. Allons-y. On va le recharger. Et on va tirer. Hop, hop. Et. LOL! Bon, bah ça c'est fait. Je pensais pas. Je pensais pouvoir avoir le temps de lui décocher deux balles dans la gueule avant qu'il me tue en fait. Enfin, c'était pas prévu qu'il me tue. Dans la logique des choses, il me tuait pas quoi. Je l'enchaînais. Je sortais mon flingue, bing, bing. Fini. On n'en parlait plus. Ça s'est pas passé comme ça. Bon, c'est pas grave. On va donc reprendre ce combat. Tant pis. Mais d'abord le chargement. Un éternel chargement. Là, les voilà. Bon. Allez, c'est parti. Il va falloir évidemment recommencer les combats. Bon, tant pis, c'est pas chaud. Voilà, bon. Hop, lui il est déjà calmé, je crois. Et de deux. Bim, allez. On va recharger. Bon, j'ai pas le choix. J'ai pas le temps de le charger. Parce que il pose problème.
Tiens, au revoir. On va recharger. Allez. Et on va le laisser venir tranquillement. Voilà, vas-y, recharge. Viens. Viens, mon gaillard. Et au revoir. Ce coup-ci, on m'aura pas deux fois. Voilà. J'aurais voulu terminer au flingue parce que ça fait quand même... Ça fait un peu plus badass, mais tant pis quoi, tant pis. Je l'ai quand même balancé au-dessus d'un train, ça le fait quand même bien aussi. Bon, ah ouais, super. On a un train et une petite arme tranquille, harpon, on va dire, à la Batman. À mon avis, ça va être notre QG ça. N'hésitez pas à aller voir toutes les autres vidéos sur un clic en trop, donc la chaîne YouTube et Stexy666 sur Twitch, où je me produis assez régulièrement live de 9h à 11h à peu près le matin. C'est l'émission matinale, pour le plaisir. Ok, bon. Voilà, on va continuer. Donc on est en vert. Ok, c'est notre couleur, on va dire ça comme ça. Bienvenue chez les Rooks. Et un territoire de repris, donc. On l'a repris aux Blighters. Je préférerais encore me jeter sous le train que de continuer à faire rouler Bertha pour ce fumier. Kellogg ? Il a quitté la gare. Oh, punaise. Je suis Evie Fry, mon frère Jacob Fry. Enchanté. Moi c'est Agnès McBean. Agnès McBean. Ok. Moi qui croyais que j'allais monter en grade. Bon ben me voilà sans travail. Venez travailler pour nous. Ah, je vous vois venir tous les deux. Vous allez me payer des clopinettes. Oh, je suis sûr qu'on pourra arranger ça. Ah. Dans ce cas, je vous présente Agnès et Bertha, la dame et la locomotive. Tout à votre service. Je serai dans la voiture voici. Repère sur rail. Voilà, c'est bien ce que j'avais dit. Oui, on a notre petit repère où on peut tranquillement œuvrer. J'aimerais que nous cherchions la piste de... Jacob, sois sérieux. Je ne ferai rien tant que ceci ne sera pas réparé. Ouais, on va réparer donc ce fameux harpon. Crochet, je ne sais pas quoi. Et ne me déçois jamais. On va certainement rencontrer Darwin, notre fameux inventeur. Et à mon avis, c'est là qu'on va le rencontrer. Je sais que Darwin est dans l'histoire, je ne sais pas dans quel contexte on va le rencontrer. Mais c'est certainement ça qui va se passer. Bon, on va parler à Agnès. Je vais regarder. Voilà, donc Whitechapel à 100% terminé. Il y aura juste la recherche de coffre et compagnie, mais bon, ça ce sera pour avec moi tout seul. Je me fais le petit plaisir. Ah voilà, donc on a un coffre ici, je ne sais pas où il est. Ah, le voilà. Donc on a des revenus tous les heures, je pense. Amélioration de bande. Ok, qu'est-ce que c'est que ce truc? Marché pharmaceutique, vous pouvez acheter des remèdes dans les boutiques. Ah, bah merci quand même. D'accord, donc les trucs de les fioles de chimie et tout ça que j'avais ramassé dans les coffres, c'est pour pouvoir améliorer donc notre bande. Je ne sais pas pourquoi. Ok, donc pot de vin à la police, petit Rooks. Affiliation marché noir.
D'accord, donc c'est 500 livres par demi-heure et la capacité maximale du coffre est de 500 livres. Donc en fait, tous les demi-heures, je vais recevoir 500 livres, mais je vais devoir aller le chercher. Ce qui risque d'être assez pénible. Bon. Sabotage. Oui. Sentinel Rooks. Voiture des Rooks. Acheter des voitures. Chercher-les dans les rues de Londres. Formation de Rooks. Ouais, bon. Donc ça c'est fait. Donc voilà, je n'ai plus besoin de. Je vous ai un peu tout expliqué ce qui se passait. Elle est faite aussi. On va certainement m'emmener dans une autre zone. Voilà, c'est parti. J'ai pas tout compris, mais c'était bien. Donc, objet à collecter. L'activité d'associer Robert Topping. Je suppose que c'est ça, la suite. Alors, repère ferroviaire. Tiens. Heavy Fry est ici et je suis ici. Ok, bon. Encore des nouvelles entrées dans le chose. Et il est évidemment l'heure pour moi de vous remercier et de vous dire au revoir pour cette émission. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie de me suivre encore un peu plus tous les jours, certains. Que dire de plus? Donc on continue cette aventure Assassin's Creed Syndicate très bientôt. J'espère que ça vous plaît. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, laisser un petit message de courage et d'encouragement pour moi, parce que évidemment c'est pas le top, c'est pas facile pour moi de jouer à ce jeu. C'est une blague. Que dire de plus? Je vous remercie. Donc toujours merci et on se rejoint. Et on se revoit bientôt pour une prochaine émission. Salut, salut!